Bonjour à toutes et à tous, c'est Cobra Guru, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans Clocker. Alors, j'ai modifié beaucoup de choses. Je vais revenir ici, parce que ça va pas du tout. Il faut que j'arrive à attraper celui-là d'abord. Vous vous souvenez, hein, dans mes précédentes vidéos, j'avais essayé ici, mais je comprenais pas ce qu'ils... En fait, voilà. Voilà, j'avais bien compris. À partir du moment où la cage n'est plus là, l'oiseau bouge. Voilà. Alors, ensuite... On le remet ici, parce qu'il va bien falloir... faire encore bouger le perroquet. Alors, où est-ce qu'il faut que je la place? Alors, vous savez que les choses évoluent, hein. À partir du moment où le perroquet a changé d'endroit, regardez, vous voyez, elle a changé sa façon d'être. On est sur une autre ligne, hein. On le voit sur la montre. Je suppose qu'il va falloir... Voilà. Donc logiquement... Il se pose là, lui ? Et voilà. Aïe aïe aïe. C'est pas compliqué en fait. Sinon on va se péter la gueule. Mais non. Ah. Ah bah oui, effectivement. Voilà. J'adore ce changement en fait de choses. C'est vraiment surprenant. Quoi? Ah, parce qu'il est encore là, lui. Thank you.
Oui, vu qu'il n'y a plus le... Ah, tiens donc. Bon, de toute façon, je pense que... Bah, c'est pour éviter l'accident, mais enfin... Bon, de toute façon, on verra plus tard s'il faut faire d'autres modifs. Je vais essayer de retourner, donc. Dans la pièce du fond. Mais c'est fini, oui. Peut-être de ce côté-là alors. Alors peut-être que ça. Eh ben voilà. Pas assez haut. Alors, j'en suis à combien de morceaux? Il m'en manque 3? Ils sont où? T'étais où? Oui, non, pour sortir, faut que je le fasse péter le truc. Oh.
Oh zut, je n'avais pas vu. Je n'avais point vu. Alors. Accélérer, n'est-ce pas? Plus rapide que l'avion, osez-vous courir? Alors. Et non, ça va pas là. Il va falloir que je saute sur la voiture. Il était fou. Mais non, mais... Ah, c'est... Il y a des commandes des fois, hein. Ah, la planche est pas bonne. D'aller voir. Ah, zut. Oh non, mais c'est d'une sensibilité, tout ça, c'est hallucinant, hein. C'est pas géant, c'est excellent, mais c'est franchement excellent. Bon. Encore deux morceaux, hein.
Bon, je fais le tour des boutiques, hein. Vous avez vu, je fais du shopping. Donc on a beaucoup de gens qui va falloir, je vais peut-être pas les enregistrer à chaque fois que je vais les tester parce que... L'échelle est cassée, tenez-vous bien, je vais m'en occuper. Bon, comme je vous l'ai dit, je vais voir un peu tout le monde et puis je reviendrai quand j'en saurai plus sur ce qu'ils sont capables de faire tous ces gens-là. Bon, j'ai fait un peu le tour, mais je vois rien d'autre dans le coin. Oh, je ressors ici? Ah ouais. Mais alors, ils sont où les bouts? J'ai du mal à comprendre là. Ah. D'accord. Il y a encore une autre zone. Waouh, ce côté de la carte, il est immense là. Oula. Atteindre celui-là là-haut, ça va être galère. Bonjour, aidez-moi s'il vous plaît à emballer la boîte d'abord. C'est le capitaine Haddock. Ferme la porte. Chargez celui-ci sur le bateau. Allons. Oui, on est sur les quais là. C'est vraiment bien fait. Donc je suppose que maintenant c'est à son tour. Ah non. Soulever celui-ci au-dessus. Et ben alors. Qu'est-ce qu'il y a encore ?
Il a fermé pourtant. J'y comprends rien. Ça doit être ça. Ça doit être ça, puisque en fait, on l'a vu, il charge un conteneur. Voilà. Je vous ai dit, c'était puzzle vraiment géniaux. Comment peut-on faire aussi géant? J'ai pas vu où était le dernier morceau, donc tombe pas, hein. Pas le moment. Allez les amis, j'en arrête là pour aujourd'hui, hein. Je préfère faire des vidéos pas trop longues sur Clocker. Vous l'avez vu, mais des puzzles de ma boule, c'est hallucinant. Quelle créativité, quelle ingéniosité, j'ai déjà dit, mais il me plaît vraiment beaucoup. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, amusez-vous beaucoup, prenez soin de vous et portez-vous bien. Salut, bye bye.